cette 40e édition de la Foire du Livre. Je suis très heureux d'être cette année accompagné de mon ami Pierre Mouza, puisque, comme chacun sait, c'est le sculpteur du bison, le bison de Brune, le bison du 126, le bison qui est implanté par Simone Veil. Et donc, Pierre étant mon ami, nous avons eu l'occasion de préparer ensemble un ouvrage que nous présentons et qui s'intitule tout simplement « Dialogue avec un sculpteur de l'indicible, Pierre Mouza ». Oui, effectivement, j'ai réalisé ce bison pour la ville de Brive, emblème du 126e régiment d'infanterie. Ce bison qui doit et qui est censé nous défendre et défendre les valeurs de notre République. Et je suis très heureux d'être ici avec Jean-Michel. C'est un privilège. En plus, pour moi, c'est une grande première d'être à la Foire du Livre. Et d'être avec, à ses côtés, c'est mon ami et nous avons, il a écrit ce livre avec, lors de nos dialogues, de notre échange, par rapport à mon parcours de vie et par rapport à ma sculpture. Non, c'est pas comme ce petit bison, celui qui est dans les casernes est un peu plus grand puisqu'il fait 1m80 au garrot, 3 mètres de long environ et 1,3 tonne à peu près, 1,2 tonne, 1,3 tonne. C'est du bronze. C'est du bronze, bronze de la cire perdue. Écoutez, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.